Et salut à tous, c'est Arcanum et on se retrouve pour l'épisode 161 de Fire Emblem Heroes avec du coup le... Je sais même pas comment il s'appelle l'histoire en réalité. Dernière chance, ok, chapitre 11. On est arrivé à... Attends, il y a une moitié du livre... Non... Ah mais il reste que deux chapitres. Ah oui, vraiment. C'est-à-dire que le... Il reste... Ah ouais, ok. D'accord, je suis le premier surpris, tiens. Je m'attendais pas qu'il reste seulement... Ouais, ça signe livre 13, c'est chapitre 13 que ça signe. Bon bah, il reste plus que 3 chapitres. Bon bah, très bien. Très bien. Donc, c'est dernière chance. Mais, on va pas commencer par ça. On va commencer par récupérer... c'est les quêtes pour avoir chaise. Chaise fille. La hache pourpre, tout ça. C'est le personnage qu'on n'a pas pu trop analyser, vivre ou mourir. Attends, elle a pas de. Elle a pas. Ok, d'accord. Bon, elle sera disponible en 4 étoiles. Ah, c'est le premier. Non, j'allais dire le premier nom. Darren est aussi disponible en 4 étoiles. Bon, bah, c'est parti. On va faire les quêtes pour obtenir chaise. Chaise M. Chaise F. Plutôt. Je crois que j'ai déjà une team. Non, j'en ai pas. Si. Ouais, j'ai celle-là, mais bon, on a connu mieux. Sachant que c'est, je crois que c'est en difficile qu'il faut faire. Ouais. Donc bon, on va éviter. Bon, on va éviter de trop galérer. Anna est là. Faut juste avoir les bons le bon perso seulement. Alors, chapitre 3, livre 3, chapitre 3, acte 3. Ah, mais c'est dans n'importe quelle difficulté. Ah, bon, bah, ça va aller vite. Bon, bah, on va gentiment récupérer la chaise. Très, très marrant de dire, comme, de dire ça. C'est très drôle de dire ça, de récupérer la chaise. Ouais. Une chaise. C'est bizarre de dire comme ça, mais le perso s'appelle chaise, donc bah... Spring has sprung. Spring is here. Out of my way. Let's go. Puis vu que c'est le niveau facile, bah voilà. C'est vrai que c'est pas la meilleure team pour primer une carte vite. Hein. C'est vrai que je connais. Il y a beaucoup plus rapide comme team, mais bon. La deuxième chaise. Voilà. Pas très compliqué. Et pour finir, bon, j'espère qu'il y aura d'autres quêtes. Ah, mais une version normale. Ah. Ça, c'était la version normale. On a eu une version difficile. Bon, on va faire cette quête. On va faire tous les modes de difficulté de cette quête. Ça devrait être rapide vu que c'est des quêtes faciles. Voilà. Deux chaises. Je ne sais pas si elle est disponible en 4 étoiles du coup. Dans la. Dans le truc. Dans la session invoque. Bon, vu qu'il n'y a pas d'or à gratter, je le ferai de mon côté seulement. Du coup. Normal, les unités sont level 26, ma team training n'est pas assez forte. Donc on va se contenter de d'utiliser l'équipe. Ce qui est. Merde. Bah j'ai dû la passer, c'est celle-là. Allez, let's go.
Maintenant que c'est la clé d'Yggdrasil est en notre possession, nous pouvons aller affronter Ambla. Faites-moi signe et je peux prononcer les paroles qui permettront d'activer la magie de la clé à tout moment. En tant qu'élu du Seigneur Ask, je ferai tout en ce qui est mon pouvoir pour aider tous les mortels à... Je le ferai pour vous et pour mon père également. Votre père ? Ah, ne faites pas attention à ce que je raconte, je me parle à moi-même. Revenons à ce qui nous importe. Vous devez tout faire très attention à partir de maintenant. Mais on peut avoir beaucoup de temps avant qu'Ambla ne se rende compte de notre présence. Il faut agir. Compris, H. Alors agissons, Zacharias. Tout se passe comme prévu. Il vaut mieux nous séparer à présent afin de ne pas attirer son attention sur vous. Je prendrai la clé et j'irai affronter Ambla tout seul. Mais ma victoire n'est pas garantie. Il se peut qu'Ambla se prenne en possession de moi. Si cela arrive et que je vous trouve, il y a de fortes chances que j'essaie de vous tuer. Quoi qu'il arrive, je me serai libéré d'elle que par la mort. Si on peut utiliser la clé d'Yggdrasil, la destruction d'Ambla pourra te libérer de son emprise. Si on parvient à l'anéantir, tu ne seras plus sous son joug, Zacharias. Tu n'auras plus à garder tes distances sur nous comme tu le faisais jusqu'à maintenant. Nous pouvons passer du temps ensemble, comme avant. J'attends toujours mes leçons de danse. C'est vrai, vous avez raison. Si tout se passe bien, nous pourrons à nouveau être amis. Promets-le-moi. Je vous le promets, il est temps pour moi de partir. À bientôt. Quand je pense à sa majesté, je suis si inquiète. On va mettre les animations. Donc Monica, note de l'Empire d'Astrée à fille du Baron Dosh, sa loyauté envers Leia n'est sans faille. Apparaît dans Free Hop, premier héros qu'on voit de Free Hop. Bon, ça va être très rapide. You can't stop me. Ils se sont fait tous, littéralement tous buter. Hein. C'est présage du bon que pour la carte difficile. Hein. Ah voilà, Prince Anders, comme prévu, je vais maintenant aller affronter Ambla. Si le plan d'Alphonse et moi avons mis en place fonctionne, tout notre travail portera enfin ses fruits. En attendant que ce moment arrive, allez voir Veronica, Prince Anders. Je vois que la chance soit de votre côté. J'ai encore une chose à vous demander. Si nous échouons. C'est vrai que Anders, c'est un personnage important dans le lore de Heroes. Hein. Je suis peut-être une fleur délicate, mais je peux passer à l'action lorsque c'est nécessaire. C'est un des rares persos des jeux basiques qui a, on va dire, un rôle. C'est vrai que j'ai pas vu sa description. Je pense qu'on la lira à la fin. Bon, ça aura le mérite d'être plus à tort rapide. Hein. Maudit Ask, vous vous êtes vraiment laissé mourir et tout ça pour ces mortels. Vous voulez toujours vous mettre tout. Et bien évidemment, ça a fini par causer votre perte. Vous là-bas, n'essayez pas de vous cacher, je peux sentir quelqu'un mort lorsqu'un mortel s'approche de moi. Bonjour Ambla. Je suis déjà de mauvaise humeur, vous ne vous en sortirez pas vivant. Elme, le vassal d'Ambla.
Les mortels m'ont trahi, ils m'ont abandonné malgré cela. Dame Ambla, ce n'est qu'un simple cauchemar, vous pouvez vous détendre. Dites-vous ce que vous voulez et je ferai tout pour vous satisfaire. Et elles m'ont fait d'elle serviteur. Contrairement à ces mortels, vous ne me trahirez jamais. Vous êtes le seul en qui je peux avoir totalement confiance, le seul. Oui, Dame Ambla. Vous êtes vraiment venu. Elm, c'en est fini pour vous. Je suis ravi de pouvoir dire que je vous verrai bientôt moins à l'avenir. Votre ami, le prince héritier du sang de Dame Ambla, il est déjà sous son emprise. Je n'ai besoin de l'aide de personne pour m'occuper de vous. Votre fort ne va pas rester autant que vous le signez. Vous êtes entré dans le monde du seigneur Ask. Vous êtes de plus en plus faible, vous devez en être conscient, mais vous comptez lutter contre nous. Je suis le véritable allié de Dame Ambla, son unique allié. Mercenaire qui irait dans Fondland, elle y met généralement rationnée, mais un désir ardent brûle en elle. Apparaît dans Warriors. Tri-hop. Voilà, c'est le mode facile, donc on s'en tape un peu. You can't stop me. Bon, voilà, il a voulu faire le malin, attendant avant. No mercy. Leave it to me. Ah merde. C'est pas mieux dans le meilleur des endroits. Hein. Bon bah voilà. On s'approche tout doucement de la fin. On s'approche tout doucement de la fin de ce chapitre. Ah. Vous ne savez pas vous arrêter, bon sang. Comment ? Ah, bon sang. La loyauté dont vous avez fait preuve envers votre maîtresse Ambla est un mirage, je ne peux pas le nier. Elm, en tant que vassal d'Ambla, même si nous sommes ennemis, nous avons des choses en commun. Des liens dont le seigneur Ask a parlé, les liens entre lui et moi, vous avez le même lien avec Ambla. En tant que vassal d'Ask, je peux comprendre et respecter vos ressentiments envers Ambla. Comment osez-vous prétendre me connaître ? Libération et fermeture. Ah, Zacharias. Alphonse, soyez prudent. Ambla me possède. Elle contrôle totalement mon esprit d'une minute à l'autre. Zacharias, tout repose sur vous maintenant. Ah. Ambla. Mourir. Ask doit mourir. Holst, fils d'une famille noble de l'alliance de Leicester, la famille Gonry, c'est un guerrier imbattable qui ne peut pas s'empêcher de dorloter sa sœur Hilda. Et Hilda, on avait skip. Fils d'une famille noble de l'alliance de Leicester, la famille Gonry, malgré son manque d'enthousiasme au travail, elle lui arrive de bien vouloir prêter main forte. Et c'est la Hilda de... Hop. Bon, du coup, Holt, hein, qui sera du coup disponible par la suite en perso grande bataille. Oh bah voilà, c'était plutôt une affaire rondement menée. Et voilà, nous avons obtenu tout ce qui est histoire. Ah. Zacharias, ce qui va suivre est ce qui importe sauvément. Qu'est-ce que vous complotez, misérable? Ambla, vous. Ah. Vous avez lâché Zacharias. Pourquoi maintenant? C'est une bonne question, comme c'est curieux. Très curieux en effet, vous les mortels, vous vous battez comme,
quand vous croyez pouvoir gagner et vous fuyez quand vous sentez la défaite arriver. Et vous savez que votre seule issue est la mort si vous m'affrontez. Pourtant, vous êtes encore là. Ask et ses perpétuelles manigances, comme c'est curieux. Ça veut donc dire que la clé. Vous avez donc mangé le fruit, n'est-ce pas? Non. Quel fruit? Rien ne nous sert de vouloir cacher vos intentions. J'ai passé des siècles à essayer de comprendre les pouvoirs d'Ask, à observer, à étudier en secret. Je vois, c'est donc comme ça que vous avez prévu de vous débarrasser de moi. Vous, les mortels, êtes si absurdes. Vous pensez vraiment pouvoir duper une déesse? Et maintenant que j'ai levé le voile sur votre plan, vous n'avez aucune chance de gagner. La paranoïa d'Ambla nous mènera à notre perte. Akaz, nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons te soigner avec la clé. Non. Ambla n'est plus en possession de mon corps. L'utiliser maintenant serait du gâchis. Mais nous avons plus de chances de gagner si tu es à nos côtés. H, s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr, c'est mon tour de jouer. Clé d'Yggdrasil, ouvre la voie. Ouvre les bras qui cardent, ouvre le portail duquel s'écoule la liberté. Oh, c'est donc ça le sort casque que vous avez d'utiliser. Quelle futilité. Mon mépris n'est pas quelque chose que l'on peut effacer aussi facilement. Par la montée d'Ambla, ferme la voie. Ferme le ciel, ferme la terre, que tout soit fermé, deviens reclus. Ah. Que se passe-t-il? Les blessures de Zakar, elles sont toujours là. Je sors d'Ambla, non. Zakar, non. Alphonse. La mort d'un ami. Zacharias qui va mourir. À présent que mon sang s'éveille en vous, qui est un son vaisseau, éveillez-vous et tuez. Ah, ce que doit mourir. Alphonse, je suis désolé, nous avons fait tout ça pour rien. Ce n'a aucun effet sur Ambla. Ce n'est pas possible. C'est notre seule dernière chance d'y arriver. Vous devez me tuer, Alphonse, il n'y a pas d'autre solution. Je ne peux pas résister beaucoup plus longtemps. Je ne vais pas pouvoir m'empêcher de vous attaquer. L'un de vous va mourir, Matt. Oui, tué. Un personnage qui était apparu dès le premier livre qui risque de tirer sa révérence. Oh, voilà. À la prochaine phase défensive, ce sera bon. Merci, Alphonse. C'est Carias. Prenez soin de Véro. De ma sœur. Zacharias, non. Ça ne devait pas se passer comme ça. Zacharias allait devenir libre. Libre de retourner chez lui. Ce n'est pas. C'est Carias, Alphonse. Nous pouvons toujours y remédier, pas vrai? Il doit y avoir un. Alphonse, nous devons sauver Zacharias. Alphonse, dis-moi que tu as un plan, je t'en prie. Tu as toujours un plan. Je suis vraiment désolé, Sharina. Je ne sais pas quoi faire, et c'est à cause de moi. Zacharias est mort. Un livre à conséquence comme le deuxième aussi, on remarque. Enfin, du coup, on peut retirer les animations. Et on va se contenter gentiment de finir les quêtes. Bon, c'est vrai qu'avec la pub qu'on a, ça va rouler dessus. Ça a roulé sale. Donc Zacharias qui mort, c'était prévisible. De toute façon, j'ai l'impression que dans ce jeu, si t'es pas jouable, au bout d'un certain moment, tu meurs.
Enfin non, c'est soit t'es un perso qui vient d'arriver et tu survis, peut-être tu survis. Bon, par exemple, je pense que Ash va rester en vie. Genre, je pense qu'il y a obligatoirement dans le cahier des charges 60% des personnages de l'histoire qui meurent. Hein. Dans le livre 5, c'était Notes et Falnir qui mouraient. Là, il y a quand même déjà deux morts. Ask et Zaki Ask sont morts. Bah, en blague, je suppose qu'on va mourir aussi. Ah bah, M aussi, il est mort, remarque. C'est vrai, ça, il est mort aussi. Helm. C'est vrai que je viens d'y penser, mais c'est vrai que... Il est mort aussi, Helm. Donc il y a vraiment plus que Ambla, là. Donc ouais, il reste plus que deux chapitres. Vas-y. Oh, les dégâts de... Les dégâts de... Comment... De Holt, c'est pas mal. Hein. Sachant que là, on est en difficile. Hein. On n'est pas encore en espère. Hein. Bon, on aura 100 orbes à peu près pour la dernière partie de la session. Oh, les dégâts. En même temps, je crois qu'actuellement, il mange un moins 12, hein, du coup, grâce au pouvoir refine de l'arme de dégâts. C'est vrai que ça pique. Hein. Là, ouais, j'ai une team, ça y est, qui permet de rouler relativement sur le tout le jeu. Les dégâts qui redevient une unité surcraquée qui tue littéralement toutes les unités qui osent l'affronter. Hein. En fait, le perso qui. En fait, ce qui lui manquait, c'était ça, hein, c'est de la réduction de stats de personnages, bah, de stats et le fait qu'elle puisse heal. Ils lui ont vraiment mis tout ce qu'il lui fallait. Et du coup, bah, voilà, maintenant elle est littéralement. Elle est littéralement redevenue un choix. Bon, après, c'est vrai que je l'ai surboosté aussi, mais. Il n'y a pas que ça, on va dire, dans l'équation, quoi. Oh, les stats! Stats de Krakax. Après, à la vie, ils vont mourir. Hein. C'est dommage de ne pas lui avoir mis, ils vont mourir 4. Hein. Je pourrais trouver ça marrant, mais bon. C'est vrai qu'elle a un truc qui réduit les dégâts. Dommage pour lui. Erika, ça se heal au bout d'un certain temps. Ah ouais, je l'ai dit, hein, c'est une team qui est faite pour rouler sur le jeu. C'est vraiment des persos faits pour rouler sur le jeu. Hein. Ah bon. Fallait s'en douter, Holt. C'est quand même des stats assez craquées. Merde, j'étais pas obligé de faire ça. Bon. Ah, je l'ai dit, Holt, pour un personnage grande bataille, il a l'air pas mal. Pour une fois, hein. Ça a l'air d'être un bon perso. Ça à voir. Hein. À voir, effectivement. Hein. Souvent je dis ça et au final le perso il est pas si ouf que ça. Bon, dernière 4 on espère. Bon, on est allé vite, c'est vrai.
C'est vrai qu'on est allé vite. Bah merci la team PT. Hein. C'est vrai que je l'utilise pas trop, mais Alm pareil, hein, c'est vif, ça te tabasse. Hein. C'est vraiment, j'ai vraiment une team qui me tabasse, hein. Le pire c'est que je suis même. Erika, je peux la changer par. Ah, j'ai des compilations. On fait quoi? Je vous le montre tout de suite le perso. Bah quoique on le fera dans la session d'avoc. Bon, 5 orbes en plus, ça fait 113. Bon, je crois que les stats des... Je sais pas si on avait vu les stats des persos. On va finir cette vidéo avec les stats des persos. Je vais aussi vous montrer que j'ai eu les 4 tickets aussi, accessoirement. C'est pour ça que vous m'avez vu utiliser un machin au début. Alors, un elixir. Alors, Illif, on connaissait déjà les stats, 59, 28, 41, 26. C'est vrai que ça marche bien avec ses stats. C'est un personnage qui ne se base pas sur sa vitesse, donc c'est plutôt... C'est un personnage qui se joue sans la vitesse, et c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt des bons persos. Donc très intéressant, Leaf, c'est vrai qu'il, par contre, il a une mauvaise un peu faiblarde. Ida, bon, 58, c'est plutôt pas mal, 43 aussi, 34, pas mal, 26 de res, bon, un peu fragile en res, mais à part ça, ça a l'air plutôt sympa, on n'est pas... C'est pas la pire Esminian qu'on ait eu. La pire, pour moi, c'est Florina. Chaise, c'est plutôt... Il a pas de A, donc c'est plutôt bien à améliorer. En plus, il a une... Avec 46, il peut attaquer au moins 4 fois. Après, oui, il a une raise un petit peu faible. Et Monica... Je m'attendais à un Glass Cannon un petit peu plus fort que ça, en vrai. Parce que 52 d'attaque, c'est pas ouf. Après, bon, voilà, faut pas... C'est comme Tana, il faut éviter que le perso ait une... Une attaque surcraquée et donc faire des dégâts de ouf. Mais bon. Voilà un petit peu les persos. Je vais aller vite fait sur eux. Donc on va se retrouver très bientôt pour une prochaine... Pour le prochain chapitre. Le prochain chapitre, ce sera l'avant-dernier. Celui d'octobre et novembre, ce sera le dernier. Mais sinon, à part ça, entre deux, il y aura le Focus Halloween. Avec peut-être, on va voir s'il y a des personnages mystérieux qui vont arriver maintenant dans les Focus duo. Ça serait original, mais pourquoi pas? Pourquoi pas que ça voit le jour? Et donc, on se dit... Du coup... Ouais, bah, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de Fire Emblem, du coup, avec le focus, l'histoire, l'annexe, plutôt... comment ça s'appelle? Halloween. Et d'ici à portée, bien, c'était Arcanum. Bye!